Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie les pays et la revue Poly pour l'organisation de cette table ronde qui promet d'être très intéressante. Donc à mes côtés, en bout de table, Océane Rosemary, qui est humoriste et comédienne. Nelly Kemner, qui est sociologue en sciences de l'information et de la communication et maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle. Et Nassira Guenif-Souilamas, qui est anthropologue et professeure à l'université Paris 8. Donc on va évoquer la question du rire et du stéréotype. Enfin, est-ce qu'on rit du stéréotype ou est-ce qu'il y a des stéréotypes du rire? On l'a vu avec la table ronde précédente, l'humour a dans une de ses fonctions le fait de susciter des émotions, mais il dresse aussi à travers les humoristes un drapeau de la société dans laquelle nous vivons. Les humoristes s'appuient et jouent des stéréotypes. Est-ce qu'ils les renforcent? C'est une question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une fonction contestataire dans la dimension humoristique? Les humoristes contribuent au fait de forger les imaginaires sociaux. Donc finalement, est-ce qu'ils puisent dans des choses qui sont de l'ordre du préjugé, des stéréotypes pour les forger, ou est-ce qu'ils participent à cette transformation? C'est une question à laquelle chacune d'entre vous va tenter de répondre. Et pour commencer, je vais demander à Nelly Kemner d'introduire cette table ronde, peut-être en reprenant la typologie qu'elle a dressée dans son ouvrage des différentes formes d'humour qui sont produites par des humoristes qui notamment sont très prégnants à des époques différentes aussi de la période contemporaine. Merci beaucoup, Rokhaya, et merci à toutes et tous d'être ici. Je voulais effectivement, pour un peu entamer cette table ronde sur rire du stéréotype et stéréotype du rire, revenir sur un des aspects auxquels j'ai abouti, pardon, à la fin de l'étude que j'avais effectuée, donc plutôt dans les années 2000, autour de la question de l'humour et des humoristes notamment qui émergeaient à la télévision pendant cette période-là, en proposant donc une sorte de typologie. Des stratégies politiques dans l'humour ou des politiques de représentation dans l'humour. Hein, le terme de politique de représentation, c'est de penser qu'à travers des représentations médiatiques, des performances humoristiques, on va le voir dans ce cas-là plus précisément, eh bien, certains groupes sociaux, certains acteurs du débat et actrices du débat public donnent à voir des visions du monde parfois différentes, parfois subversives, des visions du monde qui peuvent aller à l'encontre, on va dire, des discours dominants. Et en fait, m'étant intéressée justement à la question du pouvoir de l'humour, de son potentiel de contre-pouvoir aussi, j'en étais arrivée à travers une histoire un peu d'une trentaine d'années à mettre en évidence trois grands types de stratégies de démonstration, trois stratégies hein, de représentation, trois stratégies politiques qui étaient à l'œuvre dans l'humour des années 70-80, donc du début du café théâtre jusqu'aux années 2000. Alors cette typologie, bien entendu, comme toute typologie, elle est tout à fait discutable sur le fond, c'est-à-dire que tous les sketchs, tous les humoristes et toutes les humoristes ne rentreraient pas nécessairement dans ces cases-là, mais néanmoins, elle a peut-être une valeur d'éclairer, on va dire, certaines formes de mise en scène que l'on a dans l'humour. Alors dans cette typologie, il me semble que le premier aspect ou la première entrée serait notamment celle de. Alors, j'ai des images, donc je vais faire passer des images en même temps. Mais la régie, voilà, c'était pour commencer par Coluche. J'aime beaucoup cette image-là de Coluche, qui date de 81. En fait, il me semble que la première entrée de cette typologie, c'est une bouffonnerie contestataire, qui est une sorte de registre politique que l'on trouve dans l'humour plutôt des années 70 et 80. Un registre politique qui s'exacerbe justement avec la candidature de Coluche en 1981 aux élections présidentielles. Et qui dans une candidature qui a été avortée, hein, puisque Coluche a tellement fait peur aux dirigeants qu'ils ont tout fait pour le dissuader de se présenter à l'élection présidentielle. Et il me semble que en fait, ce registre-là de la bouffonnerie contestataire, on en trouve encore hein, aujourd'hui quelques traces. Certains humoristes pourraient s'en revendiquer. Hein, il y a les bouffons. Hein, Stéphane Guillon se dit par exemple être un bouffon. Donc on retrouve hein, ce terme de bouffonnerie. Il me semble que cette stratégie se caractérise surtout, et c'est le cas dans les années 70 et 80, par une construction en opposition frontale avec le domaine politique,
associée à une classe dirigeante. Et formellement, cette bouffonnerie contestataire consiste surtout à cibler des représentants du pouvoir à travers des figures symboliques. On sait que dans les sketchs de Coluche ou de Desproges, par exemple, la figure du policier ou du CRS est une figure récurrente hein, des sketchs humoristiques. Comme un symbole du pouvoir, il y a aussi la figure du militaire hein, qu'on retrouve, du soldat, qu'on retrouve comme étant une figure souvent raillée et souvent dégradée, hein, c'est-à-dire descendue de son piédestal, où le sketch finalement opère des formes de retournement comme ça ou de renversement grotesque qui consiste bah, justement à rabaisser les symboles du pouvoir qui étaient jusque-là des symboles légitimes, des symboles souvent nationaux, dans le cas de Coluche ou de Desproges par exemple, que l'on dégrade pour railler justement ce pouvoir et prendre le contre-pied. Alors, l'idée de cette bouffonnerie contestataire, c'est qu'elle s'appuie aussi sur une vision du monde qui est partagée entre une élite et un peuple. En conséquence, on le voit aussi très clairement avec Coluche, l'humoriste dans ce cas-là, ou le bouffon, le comique bouffon, devient le porte-voix hein, de ce peuple et des mécontentements populaires qui sont ici pris dans une version extrêmement large. On sait que Coluche, quand il a présenté justement sa candidature en 81, il se voulait véritablement, il avait un discours hein, sur ses tracts, véritablement de parler au nom de toute une série hein, de groupes subalternes qui constituaient ce fameux peuple, qui comprenait les pauvres, les PD, les femmes, les immigrés, etc., etc. Donc il y avait toute une liste finalement qui l'énumérait et au nom duquel il se présentait. Donc on retrouve cette idée d'un peuple au sens très inclusif du terme dans ce cas-là. Alors face à cette bouffonnerie contestataire, il me semble aussi s'inscrit hein, dans une droite ligne hein, du bouffon du roi, du fou du roi, du bouffon de théâtre aussi. Avec, on va le voir, et c'est l'un des aspects intéressants aussi de cette première entrée de la typologie, un pouvoir qui en réalité est assez ambivalent. Un pouvoir qui est ambivalent puisque, en fait, la condition du pouvoir du bouffon, c'est d'être un observateur critique, mais en dehors de la sphère politique qu'il est censé critiquer. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que bien, le regard qui est apposé sur ce système critiqué, cet humour anti-système, comme on l'appellerait aujourd'hui, se doit nécessairement de ne pas être un acteur à part entière de la scène politique qu'il critique. Donc, l'humoriste doit être un outsider. Et c'est là une condition pour pouvoir apposer une parole critique sur ce pouvoir-là. Et en l'occurrence, l'élection présidentielle de Coluche en 81 montre aussi les limites de cette bouffonnerie, puisqu'à partir du moment où Coluche hein, est entré dans l'arène politique, il a commencé à particulièrement faire peur, notamment parce que tout d'un coup, il allait à l'encontre, on va dire, de ce qui faisait sa raison d'être, ou de ce qui faisait la raison d'être de la bouffonnerie, à savoir d'être dans une position d'outsider, donc d'extérieur. Alors il me semble néanmoins, et parce que ça peut faire écho, je souhaite le mentionner également, il me semble néanmoins que dans le cas de l'élection présidentielle de Coluche, de l'élection présidentielle, il n'a pas été élu malheureusement, ça aurait été trop beau, ça aurait été drôle au moins, disons dans le cas de sa candidature, il y a quelques éléments qui sont importants quand on s'intéresse justement à cette bouffonnerie contestataire. Il me semble que cette position d'extériorité, cette position aussi de contradiction, d'opposition à la classe dirigeante, s'incarne dans les corps des bouffons. Et ces corps sont signifiés de façon assez compliquée. Coluche, dans les années 80, incarnait une classe populaire. Une masculinité populaire. Il me semble que même physiquement, au début de sa carrière, hein, avec son nez rouge, sa salopette bleue, son parler, sa gouaille parisienne très très forte, son blouson noir aussi, tout cela incarnait finalement et mettait en scène cette masculinité populaire dont il ne s'est jamais complètement départi. Donc il me semble que c'était un humour qui en partie était quelque part un peu situé,
c'était aussi ça qui pouvait fédérer, c'était le fait que Coluche vienne d'une classe populaire et l'incarne, le mette en scène. Et en même temps, le statut de bouffon implique aussi une position très englobante, très fédératrice. Et finalement, plus Coluche est allé vers une posture de bouffon critique de la scène politique et se voulant fédérer le peuple, plus il a quelque part un petit peu effacé cette dimension populaire ou cette incarnation de la classe populaire pour aller plus vers un travestissement grotesque dont on voit là des traces, ou on peut encore voir les traces en 85 quand il fait un faux mariage avec le Luron. Un corps qui devient de plus en plus dans la mise en scène aussi, ou qui se donne à voir dans l'abondance, dans une sorte de matérialité qui transcenderait un peu les différences sociales, à travers aussi le ventre, enfin le côté ventripotent, hein, qui renvoie à cette abondance-là. Et en même temps, on voit que bien, en fait, il y a quelque chose d'ambivalent là-dedans. C'est-à-dire à la fois vouloir fédérer et en même temps avoir un ancrage populaire qui reste assez marqué. Il me semble que c'est là aussi où, en 81, Coluche a pu constituer une menace pour le pouvoir. C'est-à-dire qu'il était à la fois fédérateur et pourtant marqué par une appartenance de classe sociale qui était la classe du bas. Donc c'était aussi la crainte potentiellement de voir le peuple effectivement se reconnaître dans Coluche. Alors il me semble que la deuxième stratégie importante à mettre en évidence, c'est une stratégie qui est davantage incarnée dans les années 90 et 2000 par, on va dire, un humour issu des minorités ethno-raciales, même si là, on n'est pas dans quelque chose d'excluant ou d'exclusif, loin de là, et on pourrait appliquer cette entrée-là de la typologie à d'autres humoristes contemporains ou d'autres humoristes contemporaines. Mais néanmoins, ce deuxième registre, c'est plutôt le registre que moi je qualifierais de registre de politique des identité, qui se caractérise, on va dire, par une mise en scène de soi, une mise en scène d'une parole ou d'un jeu, hein, qui se voudrait ou qui se donne à voir, se construit comme authentique. Le meilleur exemple de cette mise en scène-là ou de ce registre-là, il me semble que c'est Jamel Debbouze qui, dans les années 90 et encore plus avec l'avènement du stand-up dans les années 2000, va user, on va dire, d'un humour qui est beaucoup dans l'autodérision, qui est beaucoup dans très bien, qui est beaucoup dans la mise en scène d'une parole expérientielle, hein, et qui va user de ces positions-là d'énonciation très différentes, donc on voit du bouffon, pour parler du sort des minorités et pour prendre le contre-pied des stéréotypes apposés sur le garçon arabe dans les années 90 et ensuite dans les années 2000 pour les humoristes de stand-up, prendre le contre-pied de toute une série de stéréotypes, le stéréotype du noir, le stéréotype de l'africain, le stéréotype de l'arabe, le stéréotype de l'asiatique ou du chinois, donc ce que l'on retrouve à l'œuvre, notamment dans une émission comme le Jamel Comedy Club. Alors il me semble que le pouvoir de contestation de cette entrée-là ou de cette politique des identités, c'est véritablement de puiser sa force justement dans une apparente authenticité, de puiser sa force dans une expérience de vie qui se donne à voir comme authentique, de puiser son expérience aussi dans toute une série de codes subculturels, hein. Jamel Debbouze ou les humoristes de stand-up s'en réfèrent beaucoup à des cultures musicales, le hip-hop, le R&B, le rap. Jamel Debbouze, dans les années 90, se référait beaucoup à une culture de banlieue, en tout cas à un imaginaire de banlieue qu'il participait par ailleurs à construire. Et donc, on voit véritablement cette force-là de la parole venue d'en bas et qui s'assume, qui s'énonce comme venu d'en bas ou qui s'énonce comme venu d'un endroit, d'un groupe social sujet à des discriminations, à une forme de domination. Alors il me semble néanmoins que cette politique-là des identités se retrouve aussi dans une forme d'ambivalence quant à son pouvoir. La politique des identités, quelque part dans les années 90, a souvent été renvoyée à ses marges. La condition de la parole de Jamel Debbouze à ses débuts, c'était notamment qu'il vienne justement du bas et qu'il rappelle sans cesse finalement qu'il n'était qu'un jeune arabe faisant de l'humour et que sa situation était exceptionnelle. Donc il y avait cette logique d'exceptionnalité qui rappelait sa subalternité en permanence, et en même temps c'était la condition de sa présence et de son accès à des représentations publiques, donc à une scène publique, et
En même temps, aujourd'hui, la limite du pouvoir de cette politique des identités est un peu différente. Avec l'avènement du stand-up et son grand succès, on va dire, sur la scène des cafés-théâtres et à la télévision, on retrouve finalement une parole qui est de moins en moins tournée vers la critique des stéréotypes et de plus en plus tournée un peu vers un récit qui pourrait devenir presque anecdotique et finalement qui peut-être se tourne moins vers une critique un peu plus frontale, on va dire, des logiques de domination dont peuvent faire les frais, on va dire, les minorités qui s'expriment. Quand ce sont des minorités. Et enfin, pour finir, je voudrais juste évoquer cette troisième entrée pour moi de cette typologie. C'est une politique de la parodie qui, dans le corpus que j'avais analysé, s'associerait davantage aux humoristes femmes, même si là, encore une fois, il ne s'agit pas d'être exclusif quand on dit ça. Mais c'était en tout cas comme ça que j'ai pu arriver à désigner cette entrée-là de la typologie. Il me semble que le registre ici politique, c'est celui, on va dire, qui consiste davantage à ne pas être dans une clarté quant à son lieu d'énonciation. Alors, ce qui m'a amené beaucoup à parler de cette politique de la parodie, c'est Florence Foresti, qui finalement n'est pas dans une posture similaire à Jamel Debbouze. Elle n'est pas dans un récit de soi. Elle ne parle pas en son nom ou en son expérience propre. Elle va davantage mettre en scène des personnages à travers lesquels elle s'incarne et elle incarne une caricature d'elle-même. Autrement dit, elle est toujours dans et hors de ses personnages. Elle est toujours dans une sorte de caricature ou une sorte de grossissement d'elle-même et en même temps hors de ses personnages, ce qui lui permet de faire des sortes d'aller-retour permanent entre ses personnages et elle-même et de montrer leur artifice ou leur artificialité. Et en fait, il y a une dimension de mascarade qui est rendue possible par ce jeu énonciatif-là, qui est donc très différent de ce récit de soi qu'incarnait Jamel Debbouze. Et ça a été une stratégie qu'on a trouvé, enfin qui se retrouve chez Florence Foresti, qui se retrouve aussi, il me semble, chez Julie Ferrier, et une stratégie qui permet aussi de montrer la dimension artificielle de la féminité et de la masculinité, la dimension artificielle du genre, et donc de ne pas critiquer simplement des stéréotypes, mais de montrer qu'on est là sur quelque chose qui est un construit et une construction sociale à part entière. Merci. Nelly Kemner, je ne sais pas si oui, vous m'entendez. Nasera Gnif Souliamas, vous êtes aussi universitaire, anthropologue, et vous allez nous parler des racisés, des humoristes racisés, et leur stratégie et de leur fonction dans le champ humoristique. Merci et bonsoir. Merci d'être venu nous écouter, même si, de fait, je me faisais la réflexion en réfléchissant à cette initiative, nous ne sommes, enfin en tout cas moi je ne me sens pas compétente pour faire rire, donc c'est une grande frustration en fait que je veux exprimer tout d'abord. C'est toujours important de pouvoir utiliser le ressort du rire, y compris lorsque dans les métiers dans lesquels Nelly Kemener et moi-même pratiquons, c'est-à-dire à l'université, dans l'enseignement, je crois qu'il y a une ressource d'apprentissage par le rire qui est extrêmement forte, mais ce n'est pas le propos. Alors, en fait, ce que je voulais essayer de développer, c'est plus une réflexion sur les usages sociaux et politiques du rire, et notamment mettre en évidence deux dimensions qui me semblent intéressantes parce qu'elles semblent a priori se contredire. Ça résonne notamment sur un des exemples que Nelly a développé, qui est celui des politiques des identités telles qu'elles sont mises en œuvre à travers des stéréotypes. Mais le premier stéréotype ou la première idée reçue sur laquelle je voudrais peut-être m'arrêter juste un instant, c'est cette idée très ancrée, très persistante, selon laquelle le rire est le propre de l'homme. Nous savons de plus en plus qu'effectivement, nous n'avons aucun fondement pour affirmer ça. Si ce n'est que ça nous flatte de savoir que nous serions, en tant qu'humains, les seuls à pouvoir rire. Mais bon, je pense que ça, c'est intéressant peut-être en introduction, parce que ça nous renvoie aussi à toutes les fois où les certitudes nous semblent si bien ancrées que nous ne les questionnerons pas. Et c'est précisément comme ça qu'on fonctionne les stéréotypes, hein, c'est-à-dire que ce sont des certitudes qui n'ont pas vocation à être questionnées ou à être interrogées. Donc, j'ajouterais d'ailleurs, ce qui me permettra de faire une introduction à la première dimension que je voulais évoquer, c'est est-ce que le rire est le propre de l'homme blanc contemporain ?
deux qualificatifs ou deux attributs qui, là encore, peuvent être tout à fait questionnés, puisque ça mériterait d'être approfondi. Ça n'est pas juste une boutade de ma part. Je rappelle que parmi toute une rhétorique sur la mission civilisatrice et sur l'avancement civilisationnel de l'Occident, il est de plus en plus acté et comme étant une évidence que dans les sociétés occidentales, on sait rire. Alors que dans plein d'autres sociétés, on ne sait pas rire, on n'a pas le sens de l'humour, on n'a pas le sens de l'autodérision. Et c'est notamment à cela qu'il faut éduquer ces peuples. Je ne voudrais pas faire un parallèle avec les circonstances qui ont aussi peut-être inspiré la volonté de parler du rire dans tous ses éclats, mais il y a bien quelque chose de cet ordre-là qui se joue aujourd'hui et qui appelle en urgence une volonté effectivement de déplier ce qui est à l'œuvre dans cette évidence, dans ce stéréotype selon lequel il y a des sociétés qui sont plus aptes au rire que d'autres. Alors, ça m'amène à une première réflexion, un premier type de réflexion que je voulais proposer, qui consiste à s'interroger sur le fait que le rire serait un agent de blanchiment. Je m'explique. C'est-à-dire que, effectivement, le rire lave plus blanc. C'est une marque, ça renvoie à ce que j'étais juste en train d'évoquer auparavant, à l'idée qu'en fait, manifester sa capacité à rire, manifester sa capacité à faire rire, manifester sa capacité à rire de tout, ça constitue précisément la traduction d'une capacité à entrer en civilisation et à y prendre pleinement place, hein, à en être un acteur central et à donc à pouvoir faire la preuve d'une certaine forme d'adaptabilité et, pour le dire dans des termes qui précisément concernent les groupes racisés ou ceux qui sont les objets des politiques d'identité, à être intégré, puisque l'intégration, on pourrait aussi la penser dans des termes qui sont une logique de conformation. L'intégration, c'est un régime de conformation. Et à ce titre-là, parmi tous les critères, il est tout à fait possible de considérer qu'un des critères d'intégration, c'est de savoir rire et de savoir raconter de bonnes blagues, n'est-ce pas, qui feront rire une assistance et qui feront effectivement, qui montreront qu'il y a un véritable ciment culturel qui se constitue à travers cette pratique sociale. Donc c'est pas du tout quelque chose d'anecdotique de mon point de vue, il me semble que c'est quelque chose qui aujourd'hui traverse l'ensemble des rapports sociaux, cette capacité ou en tout cas cette forme d'injonction, d'attente qui peut être formulée et qui consiste à savoir si telle ou telle personne qui serait soit référée à un groupe subalterne, minoritaire ou qui serait racisée, manifesterait une capacité et à rire et à faire rire. Donc ça va bien au-delà d'ailleurs de la problématique des humoristes, des professionnels du rire, c'est-à-dire qu'il faut en quelque sorte être une sorte d'acteur du rire, il faut en être un auteur et il faut en manifester les traits, il faudrait en manifester les caractéristiques. Alors ce serait effectivement à ce titre-là que ça constituerait une sorte d'agent de blanchiment, c'est-à-dire que ça permet d'accéder au groupe majoritaire, ça permet en quelque sorte de se voir ouvrir des portes, pour attester du fait que l'on est comme les autres, qu'on n'a pas de traits distinctifs. Justement, on s'est dépouillé en quelque sorte des stéréotypes qui pourraient conduire à être renvoyés aux groupes qui sont stigmatisés, qui sont minorisés, qui sont subalternisés et racisés. Donc, c'est une fonction redoutable qui est en fait attribuée au rire et à la pratique sociale du rire. Puisqu'il constitue aujourd'hui, tout particulièrement depuis un an, mais ça faisait déjà un certain temps que cette rhétorique-là a été régulièrement rappelée, c'est cette aptitude à rire de tout, et notamment à ne pas considérer que certaines formes d'expression du rire renverraient à du blasphème, par exemple. C'est une question qui va être traitée demain, mais je pense que nous avons aussi affaire à quelque chose qui, en fait, traverse l'ensemble des usages sociaux, des routines sociales. Ça n'est pas quelque chose qui renverrait à certains groupes en particulier, c'est aujourd'hui quelque chose qui est mobilisé de façon tout à fait routinière, de façon ordinaire. Et donc toute la question est de savoir, est-ce que l'on doit se plier en quelque sorte à cette injonction qui est faite ? Faut-il s'évertuer par tous les moyens de faire la preuve que oui, on peut rire de tout, je serai, Rokhaya Diallo, Nelly Kemener, Océane Rosemary, et vous, n'est-ce pas, chacun d'entre vous et chacune d'entre vous serait capable de faire la démonstration qu'ils ou elles peuvent rire de tout, que vous pouvez non seulement rire de tout, mais vous pouvez faire rire de tout.
Hein, autrement dit, vous pouvez vous-même mobiliser les stéréotypes, vous en jouer, voire même les pousser à leur terme, en quelque sorte, hein, les enrichir, les activer, les potentialiser, leur donner une puissance d'évocation qui ferait la démonstration que vous êtes effectivement du bon côté du rire. Non pas que vous le dénonceriez, mais que vous vous en réclamez. Donc ça me semble être une question qui est intéressante à mettre en discussion. Et le fait que je dise que... Alors, il suffirait peut-être de dire que finalement, les gens qui rient ou celles et ceux qui pourraient être stigmatisés font la preuve de leur intégration par le rire, ça pourrait bien suffire. La raison pour laquelle il me semble que ce n'est pas suffisant et pour laquelle j'ajoute cette idée de l'agent de blanchiment, hein, ou du fait que le rire lave plus blanc, c'est parce que nous sommes dans une problématique contemporaine dans laquelle le blanc est questionné. Il y a une interrogation récurrente et de plus en plus vivace sur la question de savoir si les couleurs existent bien politiquement. Autrement dit, si la race est un opérateur analytique fort ou pas. Et si le rire est aussi travaillé par la race, en quelque sorte. Ce qui ferait que ça ferait apparaître des groupes dont les uns penseraient qu'ils sont blancs et les autres penseraient qu'ils ne sont pas blancs, ou qu'ils sont noirs, ou qu'ils sont arabes, ou qu'ils sont musulmans, la race ne renvoyant pas seulement à la couleur, mais pouvant aussi être travaillée par d'autres caractéristiques. Donc cet aspect-là me semble renvoyer à la question de savoir si effectivement il y a bien là une opération de blanchiment, sachant que le blanchiment, comme vous l'aurez compris, il a une double dimension. Hein, il a à la fois une dimension qui renvoie à des pratiques mafieuses, à des pratiques illégales, à des pratiques criminelles. Et d'autre part, il a une connotation qui, effectivement, est celle de l'hygiène et de la salubrité, d'une certaine manière. C'est justement sur cette ambivalence et sur ce paradoxe qu'il s'agit de jouer. Donc cette première dimension, je la laisse ouverte, je ne prétends pas y répondre, et je pense qu'on pourrait peut-être reprendre chacun des exemples que Nelly Kemener nous a proposés. Il ne s'agit pas ici de nommer des personnes ou de désigner les coupables, hein, de dire telle personne est moins susceptible de céder à l'injonction et à la cooptation par le blanchiment que telle autre. Je me garderai bien de faire ça, je propose peut-être une sorte d'outil de lecture, une grille de lecture que vous pourrez activer comme bon vous semblera. Ce n'est pas à moi de le faire, mais je pense que les unes et les autres, vous avez peut-être une idée sur la question. Alors, l'autre dimension que je voulais proposer aussi, et qui me semble tout aussi intéressante et importante, c'est celle du rire comme agent de résistance, qui en quelque sorte prendrait le contre-pied de cette injonction à la conformité par l'exercice on pourrait dire normal du rire. Donc il y aurait une expression du rire qui serait une expression de la résistance, une sorte de ressource qu'il s'agit de mobiliser, de rechercher, parce que ça ne va pas forcément de soi, à travers des pratiques qui sont liées au sarcasme, à l'ironie, à l'autodérision, qui renvoient à toute cette panoplie, en quelque sorte, qui est particulièrement importante lorsque l'on est précisément pris dans un régime d'oppression, par exemple dans un régime de minimisation, de minoration, de subalternisation, de stigmatisation, de racialisation, peu importe les termes qui vous sembleront être les plus appropriés à telle ou telle situation. Et donc là, je pense que cet agent de résistance que constitue le rire, il a notamment sans doute présidé au fait que l'on considère que le rire est le propre de l'homme. C'est sans doute cela qui entretient l'illusion que seuls les humains sauraient rire, parce que les humains ont souvent été confrontés effectivement à des situations auxquelles il fallait résister. Les mécanismes d'oppression ont une longue histoire et on peut imaginer effectivement qu'ils sont depuis... que ce soit dans la variété des temps ou des espaces, le rire a sans doute toujours accompagné l'expérience de l'oppression et l'expérience du malheur lié à l'oppression. Donc c'est aussi cette dimension-là qui me semble intéressante de mobiliser, parce qu'elle pourrait en quelque sorte constituer un contrepoint ou une sorte d'espace alternatif au rire comme agent de blanchiment, c'est-à-dire qu'il y a une autre manière de rire qui consisterait à résister à certaines formes de rire pour en proposer d'autres, et donc à ouvrir en quelque sorte l'espace de l'économie du rire.
ce ne serait pas une économie uniforme, il n'y aurait pas que certaines choses qui feraient rire et d'autres qui ne feraient pas rire. Finalement, il y a tout un travail de réversibilité et d'ambiguïté qu'il s'agit de mobiliser. Certaines choses qui ne font pas rire certains en font rire d'autres, et notamment cette expérience que nous connaissons bien à travers toute une série de récits, par exemple le fait que les meilleures blagues sur le ghetto juif de Varsovie étaient racontées par les survivants du ghetto juif de Varsovie. Et ça, c'est, il me semble que c'est quelque chose qu'aujourd'hui on pourrait répliquer, qu'on pourrait reproduire à l'infini. Cette capacité à se moquer de soi-même, y compris dans les expériences les plus éprouvantes ou les plus terribles, est quelque chose qui participe d'une dynamique de la résistance et d'une dynamique d'opposition par rapport à des impositions, par rapport à des formes d'injonctions qui sont faites. Donc c'est sans doute aussi une expérience du rire qui est une expérience intime, privée, qui n'a pas vocation à être rendue publique. Et c'est sans doute en cela, d'ailleurs, qu'elle a une force, une capacité de résistance. C'est-à-dire le fait de ne pas rendre public la capacité à être sarcastique avec soi-même ou avec le groupe auquel on appartient, être dans une expérience du partage du rire qui reste finalement une expérience relativement secrète. Et cette dimension du secret à travers le rire constitue aussi une sorte de contrepoint à la tendance générale aujourd'hui qui consiste à vouloir rendre public le rire. À le faire entendre de façon tonitruante, notamment les éclats de rire dont on sait, n'est-ce pas, qu'ils ponctuent toute une série d'émissions, qu'il faut les mettre en scène, hein, ces rires. Nous avons tous, alors moi j'ai découvert ça un peu plus tard dans ma jeunesse, mais enfin, beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont connu que ça, des émissions de télé qui sont ponctuées par des éclats de rire. Et donc contre cela, il y a aussi une façon de rire sans que cela s'entende au-delà de de certains cercles, au-delà de certaines assistances. Hein. C'est-à-dire garder une dimension secrète au rire, lui conserver cette capacité, en quelque sorte, à se préserver et à se prémunir contre l'invasion, contre l'intrusion et contre des formes d'éviction, finalement, qui pourraient surgir avec cette manière d'être trop intrusif dans l'expérience du rire. Il y a une forme de rire qui, effectivement, n'a pas vocation à être publicisé et qui est d'autant plus un facteur de résistance qu'il n'est pas rendu public, ce rire-là. Donc, là encore, je pense que je n'ai peut-être pas d'exemple particulier à vous donner, mais tous les espaces qui aujourd'hui sont particulièrement soumis à des formes d'oppression sont des espaces d'invention, d'un imaginaire du rire et de l'humour qui est un espace inépuisable, en quelque sorte. Hein. Il y a des formes de sarcasme, d'ironie et d'autodérision qui prennent forme, que ce soit en Iran, que ce soit en Palestine, que ce soit dans les zones les plus reculées de ce qu'on appelle l'Afrique, n'est-ce pas ? Comme si ça existait, l'Afrique, en tant qu'entité homogène. Quels que soient les lieux du monde vers lesquels on se tourne, ou quels que soient les espaces sociaux ou les groupes sociaux auxquels on s'intéresse, il y a toujours cette sorte de... cet espace qui semble être relativement inaccessible, mais au fil duquel et au sein duquel, justement, se nourrit et s'alimente une sorte de rire qui vise à résister au pire et à résister surtout à une forme d'intrusion et à des formes d'injonction qui sont trop souvent faites à travers le vecteur du rire. Voilà, donc c'était ces éléments-là que je voulais partager avec vous. Et sur lesquels on pourra rebondir au fil de la table ronde. Océane Rosemary, donc vous êtes humoriste et comédienne. Votre premier spectacle seul en scène s'appelait La lesbienne invisible et parlait de vous notamment. Et celui pour lequel vous êtes actuellement sur scène, qui s'appelle Chaton violent, parle d'une certaine manière de vous, mais plus largement du groupe auquel vous appartenez et que vous appelez les BBB, les bons blancs bobos. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez choisi de mobiliser votre identité et comment vous avez fait le lien entre finalement une parole assez politique et votre intime, votre personnage, votre personne et votre intimité ?
Alors, au départ, quand j'ai écrit La lesbienne invisible, c'était très naïf, très spontané. J'étais pas militante, j'étais dans aucune association, je militais pas pour les LGBT. J'étais dans mon truc, j'avais envie de faire de l'humour depuis longtemps. Et j'avais cette idée de me dire, je ne peux pas monter sur scène si j'ai rien à dire. Je vais pas faire des blagues sur Facebook, je vais pas faire des blagues sur le supermarché. Il y en a qui le font super bien, moi je suis nulle en vanne, donc je vais pas faire des vannes. Voilà. Donc voilà, et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais avoir à dire? Et en tant que lesbienne, et en tant que lesbienne entre guillemets invisible, c'est-à-dire pas forcément identifiée lesbienne quand je rentre dans une pièce, j'avais les cheveux longs à l'époque et des robes. Non mais c'est important de le préciser, ça change tout. C'est un vrai, ça a l'air d'être un détail, mais j'y reviendrai. Et du coup, avec tout ce que je pouvais subir de clichés, et tout ça, je me dis, ça c'est intéressant quand même, parce qu'il y a quand même des gros clichés sur les lesbiennes. Autant l'homosexualité masculine, c'est plus évoqué, il y a eu des films, il y a eu plus de choses, mais les lesbiennes, souvent, les représentations des lesbiennes, elles sont catastrophiques, quoi. Toujours dans les films, la psychopathe qui va découper en petits morceaux sa meilleure amie, la mettre dans le freezer. Bon, moi en tant que jeune lesbienne, j'arrivais pas à m'identifier, quoi. Ou Balasco dans Gazon maudit, tu sais, t'as 15 ans, tu fais putain, c'est chaud, c'est ça que je dois devenir vraiment. Est-ce que je suis obligée de fumer le cigare, quoi? Donc, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait un manque, moi, que j'avais vécu en tant que jeune lesbienne, de représentation positive, déjà, parce qu'en général, elle se suicide toujours à la fin, dans toutes les histoires, ou alors elle tue des gens, comme tu veux. Et puis moi-même, j'avais cette espèce d'élan très naïf de dire, je vais changer les choses, je vais changer la vision que les hétérosexuels ont des lesbiennes en les faisant marrer, ça va les faire venir au spectacle et ils vont nous voir différemment. Donc il y avait un double désir, à la fois de donner à la communauté une représentation positive pour que les plus jeunes que moi puissent se dire, ah, en fait, je peux être lesbienne et ne pas mourir à la fin. mais non, je vous jure, c'est un truc de ouf. Non, vraiment, regarder au cinéma et tout, c'est toujours dans les BD et tout, l'horreur. Bon. Et à la fois, aller vers le monde hétérosexuel et essayer de faire que toutes les questions pourries qu'on pose en soirée, tu sais, genre les mecs bourrés, mais comment vous faites pour faire l'amour, tous ces trucs-là qu'on entend dès que les gens se lâchent un peu, je dis, au lieu de passer la soirée à leur expliquer ce que c'est que la vie sexuelle et lesbienne, je leur dis, viens à mon spectacle, paye 15 euros et puis et tu sauras tout et en plus tu vas rigoler. Donc voilà, donc il y avait comme ça un double désir. Et alors, ce qui résonne pour moi par rapport à ce que disait Nassira tout à l'heure, c'est qu'en effet, parce que on parle de blanchiment, mais il y a aussi un truc chez les LGBT qui est que, à un moment, je me suis rendu compte que j'étais devenue la bonne lesbienne, tu vois, comme le bon arabe. C'est-à-dire, on me disait, non mais toi ça va, parce que j'étais en robe, et que j'étais un peu mignonne, et que j'étais sympa, et que j'étais pas agressive, donc j'étais hors du stéréotype. Et en fait, sans m'en rendre compte, au départ, justement, je l'ai fait intuitivement. C'est ça qui est marrant aujourd'hui, avec le recul que j'ai. C'est-à-dire qu'au départ, je me suis dit, tiens, je vais me mettre en robe, tiens, je vais mettre un rouge à lèvres très rouge, tiens, à un moment, je vais me lâcher les cheveux, et puis je vais faire un sketch un peu sexy. Mais sans du tout penser ce que ça pouvait représenter de faire ça. Et au bout de plusieurs années, à force de faire des interviews, où à chaque fois, on me renvoyait un peu ce « non, mais toi, ça va », j'ai commencé à dire « comment ça, moi, ça va ?» Je ne suis pas là pour dire qu'il y a des bonnes lesbiennes et des mauvaises lesbiennes. Et je dis que moi, dans mon expérience, je suis une lesbienne invisible, dans le sens où on ne m'identifie pas comme lesbienne quand je rentre dans une pièce, mais ça ne veut pas dire que les lesbiennes qui sont hyper, justement, dans des stéréotypes, ou en tout cas hyper reconnaissables, elles ne sont pas aussi bien que moi. Et donc j'ai commencé à me comporter différemment en interview et à toujours redonner ces exemples, reparler de cet extrait de King Kong Theory que j'adore, où Virginie Despentes explique qu'entre une nana qui a passé 5 heures à se préparer, qui a une scoliose parce qu'elle a des talons de 12 cm, qui s'est maquillée pendant 3 plombs, passé ses thunes, fait des faux seins, et qui est en train de choper la crève parce qu'elle est en mini-jupe en plein hiver devant une boîte de nuit, est-ce que vraiment c'est pas elle qui a plus un problème avec sa féminité que la meuf qui se rase pas, qui a les cheveux courts pour aller plus vite et qui est en jean? Enfin, c'est quand même bon, et tout d'un coup, c'est quelque chose que tout d'un coup j'ai dû, réexpliquer et rappeler que je venais là en tant que peut-être représentante du milieu LGBT, mais du milieu en tout cas des lesbiennes dans son ensemble, y compris des butch, des filles hyper viriles, des trans, pourquoi pas, en tout cas de vraiment de parler de cette sympathie là. Donc en fait, il y a eu un mouvement comme ça où je me suis servi de moi et de mon expérience personnelle pour démonter entre guillemets des clichés. Pour que justement, dans l'espoir qu'il y ait aussi des hétérosexuels qui viennent et qui peut-être changent d'avis, ou en tout cas qui voient les choses différemment, qui voient les lesbiennes différemment. Et ensuite, en faisant donc ce spectacle, en étant médiatisée, je me suis rendu compte que ça me donnait une responsabilité,
parce que tout d'un coup, je devenais une des seules lesbiennes visibles, pour le coup. Et que, par exemple, quand je me suis retrouvée chez Ardisson face à Marine Le Pen... Bon, il y a eu plein d'émotions différentes. Hein, le plaisir de partager un plateau avec Marine Le Pen, bien sûr. Non, mais c'est surtout, je me disais, tain, j'ai la pression, quoi, parce que je suis à la... Enfin, il y a bien sûr Karine Forest, mais bon, ça, c'est vraiment un autre débat. Mais en tout cas, je suis la seule humoriste lesbienne qui se retrouve à cette place-là. Donc, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, parce que peut-être qu'il y a la communauté qui attend de moi que j'assure, quoi. Donc, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais militante. C'est-à-dire, je m'en étais pas rendu compte. Au début, je me suis juste dit, tiens, je vais monter sur scène, de quoi je pourrais parler ? Ah bah tiens, je pourrais parler de ça, ça serait sympa, ça serait trop bien que tout le monde y s'aime. Et après, je me suis dit, ah non, en fait, je suis dans un continuum d'une militance voilà, des LGBT. En plus, après, on m'a demandé de venir parrainer, faire des trucs, enfin, de m'inscrire dans une militance, qui est une responsabilité que j'ai acceptée avec joie. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah voilà, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je ne ferai pas d'autres spectacles, voilà, j'ai dit mon truc, quoi. Et puis bon, voilà, j'ai arrêté de jouer, j'étais sur France Inter, je faisais des chroniques, il y a beaucoup de choses qui m'ont énervée, vraiment beaucoup, et je me suis rendu compte qu'il y avait une identité chez moi qui était peut-être encore plus forte, si ce n'est en tout cas antérieure à mon identité homosexuelle, qui était mon groupe social, que j'appelle les BBB, les bons blancs bobos dans mon spectacle. Je me suis rendu compte que j'étais blanche. Truc de ouf, genre 35 ans, ah j'ai une couleur aussi. Et je me suis rendu compte que la plupart des blancs n'avaient pas conscience qu'ils étaient d'une certaine couleur et que cette couleur implique des privilèges et implique un mode de vie. Voilà. Et en plus, étant dans un milieu un peu privilégié, on va dire, je me suis rendu compte de tout ce à quoi j'avais accès que d'autres gens qui viennent de banlieue, qui soient racisés ou pas, mais en tout cas, s'ils sont racisés, c'est parfois encore plus compliqué. Enfin, des choses auxquelles eux n'avaient pas accès, qui étaient par exemple rien que le réseau. C'est-à-dire que vu que j'étais dans des écoles dans le centre de Paris, à une époque où tous les postes 68-arts se sont installés, genre le 4e arrondissement, qui était hyper populaire à l'époque, hein, je tiens à le rappeler, le Marais, c'était vraiment un truc de ouf d'aller là-bas, c'est comme d'aller à Montreuil maintenant. C'était punk, quoi, t'étais un punk. Voilà, ce qui permet de maintenant revendre très cher l'appart et de... Enfin bon, ça va être un sujet. Mais... Et du coup, je me suis rendu compte que cette identité-là, elle était aussi importante. Et que bien sûr, moi, en tant que lesbienne, ayant été minorée et victime, entre guillemets, de discrimination, en tout cas de préjugés, je m'étais mise un peu en dehors. C'est un peu ça le rôle des humoristes, de toute façon, c'est de se mettre en dehors. C'est pour ça que c'est souvent, on dit, c'est la revanche du moche, tu vois. C'est-à-dire, c'est souvent... Non, c'est vrai, c'est souvent des boudins, les humoristes. Bah, tu vois, Foresti, Elise Moon, bon, c'est des gens moches, c'est-à-dire dans le sens où ils sont... Non, mais c'est vrai, on s'est pris des râteaux au collège et du coup, après, on s'est vengé en faisant des blagues pour essayer de pécho. Mais je veux dire, et c'est pour ça, et je pense que Jamel Debbouze et tout, au fond, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, j'appartiens à ce groupe-là quand même si moi, j'arrête pas peut-être d'être en conflit avec eux parce qu'ils ont des préjugés sur moi en tant que lesbienne, mais quand même en tant que blanche privilégiée qui a fait des études et qui n'a pas de problème d'argent, en tout cas si elle en a, qui peut appeler sa mère, on va dire, ça c'était un truc super fort. Et donc j'ai eu envie de parler ça, du privilège blanc, voilà, de la gentrification, de tous ces sujets que j'aborde dans mon spectacle Chaton violent. Et là tout d'un coup, en effet, la question s'est posée très clairement de d'où on parle. C'est-à-dire quand on est humoriste, d'où on parle. Et en effet, il y a un truc, moi en tout cas, qui reste encore quelque chose qui est une réflexion importante pour moi. Et quand on parle des humoristes racisés et tout, je trouve que c'est très très flagrant. C'est-à-dire comment, en se moquant d'un stéréotype, on peut finalement jouer le jeu de la domination. Et c'est-à-dire que c'est ça que je voulais dire quand je me suis rendu compte que j'étais la lesbienne de service et que j'étais la bonne lesbienne. D'où la volonté après de m'attacher les cheveux, de venir sur scène en chemise, enfin en un temps beaucoup plus viril en fait. Bon, voilà, j'ai carrément coupé la semaine dernière, je suis passe des caps. Mais parce que tout d'un coup, c'est de refuser de jouer le jeu de la norme. Alors c'est vrai, quand on est noir, on n'a pas trop le choix, quoi. T'es noir, tout le monde l'a vu. Quand t'es lesbienne, il y a moyen d'éventuellement choisir comment tu te présentes au monde. Et à un moment, moi, voilà, j'ai fait ce choix d'assumer cette identité-là, d'assumer de peut-être déplaire, parce que c'est ça, le rire, c'est vouloir plaire aussi. Et à un moment, avec ce nouveau spectacle, c'était assumer de ne pas plaire à tout le monde. Et clairement, dans mon nouveau spectacle, il y a des gens qui détestent, hein, qui partent des fois même, ils partent pendant le spectacle, parce que je les heurte à certains endroits avec des sujets que j'évoque. Et en tout cas, tout d'un coup, c'est d'où je parle. Et là, quand je comprends que je suis dans le groupe, qui est un groupe quand même dominant,
alors je peux me moquer de mon groupe et je dois me moquer de mon groupe. Parce que c'est le lieu de la domination. Alors que je trouve que quand on est un humoriste racisé, par exemple, je ne sais pas, vous ne vouliez pas citer de nom tout à l'heure, mais du coup, moi, je vais faire la méchante. Non, mais je ne sais pas, par exemple, un artiste comme Malik Bentala, que j'aime bien, que je trouve marrant, il y a des fois où il enfonce tellement, enfin, il va tellement dans le cliché sur sa communauté, en se moquant de sa mère, en faisant l'accent rebeu et tout, que quelque part, pour moi, il devient le bon arabe parce qu'il conforte, le public blanc dans sa vision de la femme arabe. Ce qui est problématique. C'est-à-dire que, alors, d'un côté, comme il parle de sa communauté, entre guillemets, il a le droit. Mais parfois, ça peut jouer à l'inverse, c'est-à-dire qu'il joue tellement le cliché que on ne sait plus trop où est le second degré, quoi. Donc voilà, mais je crois que j'ai fini mon temps. Merci beaucoup. Ça me permet de rebondir un peu sur une question. Nelly Kemner, vous avez au départ parlé de différents types de manières d'exprimer l'humour. Vous avez parlé comme catégorie des bouffons contestataires qui, dans ce que vous avez décrit, étaient plutôt des hommes blancs et qui avaient tendance à moins mettre en avant leur personne et la mettre en interrogation. C'est une question que je veux vous adresser d'ailleurs à toutes les trois. Est-ce que finalement les femmes, les non-blancs, les minorités sexuelles ont la possibilité d'intervenir dans le champ humoristique sans mobiliser leur identité? Parce que ce qui apparaît, c'est que finalement, les non-blancs, les femmes, s'expriment beaucoup avec la coloration de leur genre ou de leur ethnicité qui finalement donne vraiment une tonalité particulière à leur production humoristique. Et est-ce qu'il est possible aujourd'hui, finalement, d'être un arabe, d'être un noir et de faire des blagues sur Facebook ou sur la station Essence sans forcément que sa couleur de peau n'apparaisse dans l'humour? Bah alors, il me semble que de toute façon, par rapport à cette question, disons, la scène des humoristes, alors je suis un petit peu moins au fait de tout ce qui se passe plus récemment, mais la scène des humoristes, en tout cas, elle nous amène à porter un diagnostic, à défaut de véritablement pouvoir nécessairement être... enfin, de pouvoir y apporter une réponse politique ou quoi que ce soit. Et le diagnostic, il est qu'effectivement, en tout cas, et c'est ce sur quoi j'essayais aussi de réfléchir à travers cette typologie, en fait, la diversification de la scène humoristique est passée effectivement par des formes d'identification à un groupe social fort, et à une mise en scène, en tout cas, de ces identités de façon assez, assez claire. Et il est très clair qu'il y a toujours dans ces stratégies-là qui sont mises en place, celle de la politique des identités sur laquelle a aussi beaucoup rebondi Nassira tout à l'heure, et Océane également, celle de la politique de la parodie aussi, finalement toujours un risque d'enfermement, de réenfermement après coup. C'est une stratégie, la politique des identités, qui est très efficace pour advenir sur une scène publique qui n'est pas ouverte à un certain nombre de thématiques, celle des sexualités, celle de la question ethno-raciale, la question du genre aussi. Donc on voit que c'est une stratégie qui en partie fonctionne, mais le problème, c'est qu'elle va nécessairement arriver, ou elle fonctionne sur un temps court, c'est-à-dire c'est une stratégie d'émergence presque, mais elle arrive nécessairement à un moment donné à un réenfermement dans une catégorie. Elle est aussi le lieu même où il y a une réassignation à un statut de subalternité. Donc on renvoie toujours effectivement les minorités sexuelles et ethno-raciales à leur statut de minoritaire, en fait. Et c'est une façon d'enfermer aussi dans un genre, dans un certain type de thématique, et d'enfermer l'espace de jeu et de performance de l'humoriste. Alors, pour préciser ma question, peut-être, enfin, Nassira Guenif ou Océane Rosemary, je pense par exemple à Frédéric Shaw, qu'on a beaucoup vu qui a émergé aux yeux du grand public français dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, mais qui a commencé au Jamel Comedy Club, et que j'avais eu l'occasion d'interviewer, qui disait qu'il voulait être comédien au départ, et que finalement, étant d'origine asiatique, il avait énormément de mal à trouver des rôles, parce que c'est vrai que voilà, dans le cinéma français, on a suffisamment de clichés pour retrouver des rôles pour les Arabes et les Noirs, entre les dealers, les mecs de cité, les prostituées, etc. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ninjas ou de mafias chinoises, pour permettre d'offrir des rôles aux comédiens d'origine asiatique. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est lancé dans l'humour parce qu'il s'est rendu compte que lorsqu'il s'exprimait en faisant un accent chinois, ça faisait rire tout le monde, même si ce qu'il disait n'était pas drôle. Donc finalement, la seule possibilité
possibilité pour lui d'émerger en tant que comédien, ça a été celle d'utiliser un stéréotype alors qu'il n'est même pas d'origine chinoise, il est d'origine vietnamienne. Mais bon, apparemment, ça n'intéressait pas grand monde. Donc, est-ce que finalement, il est possible pour un humoriste, en tout cas, qui fait partie d'un groupe subalterne, qu'il s'agisse d'un groupe minoré pour son ethnicité ou pour son genre, est-ce que vous pensez que, par exemple, vous, Océane Rosemary, vous pourriez monter sur scène sans que finalement le fait que vous soyez une femme, une lesbienne, soit en jeu? Je pense que c'est des mouvements, c'est-à-dire que moi j'ai commencé avec cette identité homosexuelle, ce thème de l'identité homosexuelle, et ensuite j'ai élargi, c'est-à-dire que là dans Chaton violent, bon, je parle un peu du fait que je suis avec une femme, mais en vrai on s'en fout quoi. Enfin, c'est pas vraiment le thème du spectacle, c'est pas du tout le thème du spectacle. Donc finalement aujourd'hui je suis arrivée à élargir parce que j'avais une notoriété, que j'étais identifiée et que du coup bon, peut-être je me suis aussi moi autorisée à sortir de cette identité homosexuelle pour aller vers quelque chose de plus large. Et je pense qu'on peut le voir aussi chez plein d'humoristes racisés ou en tout cas issus d'une minorité comme Gad Elmaleh par exemple, qui au début avait des sketchs où il faisait l'accent, où il y avait le sketch sur le blond et tout, et aujourd'hui bon, bah, il fait vraiment des sketchs sur les papas à la sortie d'école. Pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Bon, moi, perso, je préférais quand il visait le blond. Mais bon, après ça, chacun ses goûts. C'est-à-dire que souvent, on voit des humoristes comme ça qui, pour émerger, s'accrochent en tout cas à cette identité et qui ensuite font des blagues sur Facebook s'ils veulent. Quoi. Ou même qui, d'ailleurs, souvent le font parce qu'ils veulent toucher un public plus large. Je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. En fait, je me posais la question en t'écoutant, Kaya. Je me demandais si, en fait, l'exercice du rire et le métier d'humoriste, hein, parce que c'est un métier, c'est presque une sorte de profession, quoi. On affirme quelque chose en faisant en allant vers ce type d'activité. Ça n'oblige pas ou ça ne requiert pas d'abord d'avoir une très forte capacité à s'objectiver soi-même. C'est un peu ce que Océane Rosemary dit à travers justement la mise en scène de la lesbianité, de la blondeur, de la blanchité, etc. Et donc toute la question, c'est de savoir si en fait on est capable d'aller jusqu'au bout de cela, et auquel cas on pourrait peut-être surmonter l'ensemble des stéréotypes qui sont projetés sur soi. Et si en fait on n'a pas cette grande capacité à s'objectiver soi-même, en fait on reste le jeu et le jouet des stéréotypes. Et donc on ne peut que les reconduire, les perpétuer. Oui, donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu de ce type-là. Qui porte justement, alors du coup, qui fait que l'humour devient un enjeu de résistance. Hein, c'est, oui, c'est ça, je pense. C'est plus seulement un exercice social et puis peut-être après tout une niche professionnelle, hein, comme ce que vous veniez d'écrire. Il me semble qu'il y a autre chose qu'on investit dans le rire, mais qui demande une forme de retour sur soi très, très exigeant d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment l'importance de vraiment savoir, quand je dis d'où on parle, ça veut dire qui on est en fait, qui on est, d'où on vient. Et une fois qu'on a pu identifier ça et rire de ça, alors on peut élargir. Et moi, dans Chaton violent, je passe une partie du spectacle à vraiment montrer, c'est presque une étude sociologique, je dirais, de ce milieu-là. Et j'essaye en tout cas à la fin totalement ouvrir et élargir et parler du fait de l'humanité, en fait, de notre humanité, de comment on peut se relier aux autres, quels que soient les groupes sociaux. Mais comme je le dis beaucoup dans le spectacle, c'est qu'en acceptant, par exemple, que nous aussi, en tant que blancs, on fait des replis communautaires. C'est un thème qui est important pour moi. C'est-à-dire, je passe mon spectacle à expliquer qu'on parle toujours des replis communautaires des minorités, soi-disant, des minorités racisées, par exemple, ou religieuses. Mais en fait, nous-mêmes, on est dans un entre-soi extrêmement fort. Ou pour quand on veut se faire une opinion, on s'appelle entre nous. Ou quand on veut trouver du boulot ou donner du boulot, on s'appelle encore entre nous. Et en fait, on est tout le temps entre nous. Et ça se retrouve dans la classe médiatique et politique de manière assez flagrante en France, quand même. Bon, on voit quand même beaucoup de blancs. Plus d'hommes que de femmes, bon là ça peut-être ça bouge un peu, mais en tout cas des gens qui viennent des mêmes milieux, quoi, y compris dans les médias, ce qui est fou quand on se dit, même des médias de gauche hein, d'ailleurs, où quand même on a des gens qui viennent un peu tous du même milieu, donc ce qui est un problème pour commenter le monde, quoi. Alors tout à l'heure vous disiez que il y avait une grande diversification de la scène humoristique, mais ces dernières années on a pu aussi observer une diversification du cinéma en France, et j'ai noté que la plupart des acteurs non blancs en fait venaient de la scène humoristique, ce qui est assez frappant. Les Jamel, Debbouze, Omar Sy, Thomas N. Gijol, toute la bande en fait qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
comme si finalement les acteurs non blancs n'étaient pas, comme s'il n'y avait pas d'acteurs non blancs qui étaient formés de manière traditionnelle et classique. Et moi, ça m'interpelle. Je me demande si finalement, est-ce que la présence des minorités dans le cinéma français, elle n'est pas circonscrite à un rôle humoristique. Est-ce que finalement, il est possible, en dehors de ce passage, donc en passant notamment par l'écurie Canal+, etc., il est possible d'émerger comme comédien non blanc sans être estampillé humour et quelque part peut-être rassurant pour l'opinion publique française? Mais le cinéma est très, très fermé encore, je le sais, parce que je suis en train de monter un film, de préparer un film, et je vois sur le casting, bon, moi je joue le rôle principal, donc c'est déjà compliqué de monter un film parce que j'ai jamais fait de cinéma, donc c'est pas évident de rassurer les financiers et tout, surtout que c'est une comédie romantique lesbienne, donc non seulement on m'avait jamais vu, en plus une histoire de Gwyn, et à un moment j'ai évoqué l'idée que la fille avec qui j'ai vu une histoire d'amour soit une actrice noire ou d'origine maghrébine, et on m'a dit, mais très spontanément et sans aucune arrière-pensée, ça va faire beaucoup. J'ai fait ah d'accord, bon, ok. Alors donc, ok, on va faire que lesbienne, alors d'accord. Mais c'était vraiment pas méchant, c'était pas genre, c'est pas des gens, c'est juste les gens du milieu du cinéma qui disent, ah, ça va être compliqué pour monter le film, ça va faire beaucoup, quoi. Et là, je vois sur le casting, sur des seconds rôles, j'essaye, tu sais, de mettre vraiment des noirs et des arabes un peu, genre, il faut gratter, quoi, c'est compliqué, parce que sur tous les rôles principaux, en fait, c'est quoi ce qui se passe? C'est que les acteurs bankable, donc dont nous, on a besoin pour réussir à financer le film, puisque moi, je ne le suis pas, ce sont la plupart du temps des acteurs blancs. Donc, de toute façon, c'est même pas qu'ils ne veulent pas qu'il y ait une actrice noire ou une actrice arabe qui joue avec moi, c'est juste que les actrices noires et les actrices arabes, bah, il n'y en a qu'une ou deux qui sont un tout petit peu bankable, et encore. Donc, de toute façon, même si toi, tu veux lutter contre le système, donc, à moins d'être en effet un cinéaste reconnu, ben, voilà, quand, par exemple, quand Céline Sciamma, elle fait Bande de filles, elle s'appuie sur sa notoriété de cinéaste pour pouvoir mettre en scène des femmes jeunes noires, ce qui était vraiment, ça faisait beaucoup. Bon, et après, on pense qu'on veut du film, mais en tout cas, c'est vrai que moi, dans mon cas, c'est super compliqué. Si je commence à dire que dans mon casting, il y aura plus de non-blancs que de blancs, je sais que je ne vais pas le monter, quoi. Et entre guillemets, on ne peut pas désigner un coupable, vraiment, quoi. C'est juste, c'est un système qui se construit comme ça. Et c'est très grave. Et je pense qu'il faut absolument changer ça. Mais ça doit venir, en effet, des cinéastes qui ont déjà une réputation qui fait qu'ils arriveront à monter leur film et qu'eux-mêmes prennent cette responsabilité de donner des rôles à des acteurs non-blancs dans des rôles, en plus, qui ne soient pas le rôle de l'arabe, du dealer, ou le rôle de la belle africaine ou la banlieusarde, voilà. Bon, donc ça, malheureusement, c'est, il y a une responsabilité à un moment des créateurs aussi qui sont en mesure de changer les choses. Il me semble qu'on peut faire une différence de ce point de vue-là entre les arabes et les noirs. Il me semble que les noirs, c'est la bande. Effectivement, il y a un groupe comme ça qui est complètement identifié comme venant du milieu de l'humour, alors qu'il y a des, alors. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peut-être un désajustement des temporalités. En fait, la question revient effectivement à la question de l'imprégnation. Ça fait combien de temps qu'il y a eu cette espèce de persistance rétinienne qui fait qu'on s'est habitué à voir des Arabes dans notre champ de vision et qui fait qu'à force de les voir, on finit même par admettre qu'à un moment donné, ils pourraient être autre chose que des comiques ou des dealers ou des futurs djihadistes d'ailleurs. Et donc, peut-être bien qu'ils pourraient devenir des acteurs et des acteurs qui rentrerait dans un répertoire classique, comme ordinaire, voilà, comme par exemple certaines actrices qui sont à la Comédie Française. Hein, donc, mais ça demande du temps, visiblement. Il y a vraiment un enjeu d'imprégnation. Peut-être, alors, on pourrait se dire, peut-être qu'il va falloir chanter un peu ou court-circuiter les exigences du temps, c'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas attendre non plus deux générations pour qu'il y ait des acteurs noirs qui puissent jouer le répertoire de la Comédie Française ou d'ailleurs. Puis d'ailleurs, pourquoi faudrait-il considérer que c'est là qu'il faut aboutir, hein? Après tout, là, tout le monde n'a pas vocation à finir à la Comédie Française. Mais c'est un bon indicateur. Et il y a un parallèle intéressant qu'on peut faire, par exemple, dans le milieu de l'opéra. Des femmes comme Barbara Hendricks, elles ont joué les grands rôles de l'opéra. Et je veux dire, quand elles jouaient dans la Bohème, personne ne se demandait pourquoi est-ce qu'elle était noire. Donc, je disais pas, mais ça va pas avec le rôle, ça se passe dans un milieu où il n'y en avait pas à l'époque. Enfin bref, la question de la vraisemblance ne se pose pas. En fait, je crois que c'est plutôt ça qui est intéressant. À quel type de vraisemblance renvoient les stéréotypes raciaux, en fait? Et pourquoi est-ce que ce serait invraisemblable d'être dans tel type de rôle et parfaitement vraisemblable d'être dans d'autres? Donc, c'est aussi là-dessus, en quelque sorte, qu'il faut parvenir à agir et à transformer radicalement les mentalités.
Je vais vous poser une question sur un sujet très très polémique. Non, qui est pas... Comment vous analysez, alors vous en parlez dans votre livre du duo Délie et Dieudonné qui dans les années 90 produisait justement une déconstruction des stéréotypes, comment vous analysez la transformation de l'humour de Dieudonné et la réception aussi de ces différentes étapes? C'est le sujet polémique par excellence, c'est compliqué. Comment j'analyse, c'est un peu compliqué. Par contre, je pense qu'il y a de plus en plus en réfléchissant à ce cas et en essayant de commencer à analyser un petit peu ce qui se passe au niveau de ces spectacles, de ces sketchs, un peu de ces transformations aussi de son humour. Il me semble qu'en fait, avec Dieudonné, l'une des questions qui me paraît de plus en plus importante à poser, c'est celle aussi de à quoi sert Dieudonné en fait dans notre espace politique contemporain. Et il me semble que cette question-là, elle est compliquée parce que je pense que Dieudonné, finalement, il a eu des dérapages, hein, il a des propos antisémites et très, très nets et qui sont qualifiables à travers le droit, donc qui ont été condamnés aussi. La question qui se pose à mon avis, c'est véritablement la chose qui me paraît flagrante, c'est que c'est devenu aussi une figure repoussoir publique à part entière et qui cristallise tout un enjeu justement autour de la place des minorités ou des groupes racisés en France. Et finalement, il devient justement l'incarnation du mauvais noir. Du noir antisémite. Et sa place dans cet espace public et cet espace politique, elle est clairement là. Lui le renforce à force de produire un humour qui est perpétuellement actualisé en fonction des critiques qui ont été formulées à son égard. Donc il est très clairement aussi dans une production en réaction à toutes les critiques qui sont formulées. Donc fatalement, hein, il nourrit aussi cette figure repoussoir, il vient la renforcer en permanence, mais il me paraît particulièrement important de se poser cette question-là et de penser aussi la trajectoire de Dieudonné à travers ce qu'il a pu servir en termes de jeu politique au niveau de ce pouvoir-là, en fait. En France, à quoi il a servi? Parce que sinon, si on ne se pose pas cette question, finalement, on va à poser un regard qui potentiellement est un peu réducteur, c'est de n'aller voir que du côté de sa production, du côté de ses propos, ce qui peut expliquer ou permettre de comprendre la transformation et ses dérives au fil des années. Et à quoi il a servi? Je pense qu'elle a servi justement de figure repoussoir. Je pense qu'elle sert à incarner le mauvais noir actuellement, à incarner cette figure par excellence qui devient l'endroit où elle est un lieu potentiellement de... On crée un fantasme autour de Dieudonné qui est celui qu'il puisse y avoir des minorités, des personnes noires, des personnes arabes qui sont antisémites. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas de réalité de ça. Il y a des publics qui aussi se retrouvent dans le discours de Dieudonné. Il y a des groupes, il y a des personnes qui vont potentiellement porter ce discours-là. Mais ça va faire servir, si vous voulez, de figure un peu, qui cristallise cette angoisse-là. Donc c'est aussi une figure qui cristallise des peurs, et des peurs blanches, en l'occurrence. Moi, je veux bien dire un truc sur Dieudonné. Parce que c'est vrai que pour les humoristes, en tout cas de ma génération, moi je parle avec n'importe lequel de mes potes humoristes, on a tous Dieudonné comme référence de jeunesse en tout cas, qui était, enfin, ses premiers spectacles, qui était vraiment, c'est un acteur incroyable, il écrivait, enfin je sais pas comment il écrit maintenant, je regarde plus ce qu'il fait, mais il écrivait très bien. Et en effet, pour moi c'est la figure du noir qui se tient debout et qui défie le pouvoir au départ. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est justement, c'est pas le bon noir. C'est pas le noir qui ferme sa gueule, c'est le noir qui dit, vous êtes tous des pourris. Parce que, en fait, si vous regardez des sketchs de l'époque, il est tout le temps un contre-pouvoir. Et tout d'un coup, il se met à fédérer énormément de gens, parce que la plupart racisés. Donc tout d'un coup, il prend une vraie force, un vrai pouvoir. Et là, progressivement, il désigne un bouc émissaire. Bon, que je trouve, évidemment, ça n'a aucun sens, et il se décrédibilise. Mais moi, je regrette, comme beaucoup de gens sans doute, qu'il n'ait pas tenu sa place, la place de départ qui était extrêmement forte et intéressante, qui était
déjà parce qu'il y avait une qualité d'acteur, encore une fois, d'écriture, etc. Et de vision de la société. Enfin, si vous regardez le sketch qu'il a fait sur DSK il y a 4 ans, 5 ans, c'est un sketch incroyable. Alors, il y a évidemment toutes les sorties antisémites où vous allez vomir et vous revenez devant votre ordi. Mais donc, évidemment, ça annule tout le reste. Mais néanmoins, ce qu'il dit sur les gens qui sont au pouvoir, le fait qu'ils s'en sortent toujours, quand on voit finalement comment DSK s'en est sorti là, sur ce procès, c'est carrément, il est visionnaire. Enfin, il est dans une vision extrêmement juste du pouvoir politique blanc. Donc, voilà, c'est juste que pour nous, pour les humoristes, c'est compliqué parce que. Enfin, c'est comme si on avait le droit maintenant que de se le dire entre nous. Ah ouais, Dieudonné, c'était charmé, t'as eu. Et on ne peut pas le dire. Tu sais, t'es à la télé, tu dis juste le mot Dieudonné. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai fait sur Canal+, au grand journal. J'ai commencé à vouloir faire une phrase sur Dieudonné. Ah, c'était. Je suis sortie, j'avais des nouveaux fans qui me faisaient trop peur, j'avais des gens qui voulaient me tuer. Mais je voulais juste essayer de dire un truc. Mais c'est d'un coup, on devient soi-même, quand on évoque le mot Dieudonné, on devient inaudible, quoi. Et ça, je trouve que c'est dommage aussi. Oui, d'ailleurs, je pense qu'à cet égard, ce qui est intéressant, c'est à la fois. Peut-être d'admettre qu'il y a eu une période Dieudonné. Moi, j'ai tendance, mais je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Il me semble que le moment où tout va basculer et tout va se dégrader de ce point de vue-là, c'est après le film Astérix, qui est en fait un moment de climax du point de vue d'une sorte de représentation sarcastique, ironique, qui justement retourne tous les codes de la blanchitude et où Dieudonné est là comme d'autres. Il me semble qu'après, tout se délite. Après ce film-là, ça commence à partir complètement en vrille. Donc, il y a toute une série d'animosités, de ressentiments, de haines diverses et variées qui commencent à s'exprimer sous des formes extrêmement virulentes. En fait, il y a une montée en puissance comme ça qui, d'ailleurs, correspond aussi à l'état de la France en général. Hein, c'est-à-dire un lâchage total sur l'expression du racisme, de l'islamophobie, de l'homophobie. Enfin, voilà, ça devient un grand marché sur lequel il suffit juste d'aller chercher la haine que l'on va pouvoir exprimer, sachant qu'il y en a d'autres, certaines qui sont beaucoup plus. Qui ne conduisent à aucune forme de sanction et qui autorisent une parfaite impunité. Donc, de ce point de vue-là, Dieudonné, il est symptomatique de ce basculement, en fait. Parce qu'il devient lui-même. Il est dans une logique de la mimétique. Ce qui est peut-être le vrai problème, en fait, c'est qu'il se met à imiter ses oppresseurs. Il reprend l'ensemble du registre, qui est celui de la désignation du coupable, du bouc émissaire. Et ça, c'est quelque chose d'assez... c'est typiquement, d'ailleurs, une position d'aliéné, quoi. Enfin, c'est un mécanisme d'aliénation qui consiste à reprendre à son compte l'ensemble des positions et des discours que l'on subit et dont on, en général, enfin, qui visent à vous détruire. Hein. Donc ça, c'est un premier élément. Et l'autre, je crois que c'est aussi un facteur de diversion. Mais pendant qu'on parle de Dieudonné, on ne parle pas d'autre chose. Ce qui fait que, moi, ce qui me semble très intéressant, c'est sans doute de soulever cette question-là, mais de le faire avec la prudence qui implique de dire, c'est pour ça que je le dis en conclusion, pendant qu'on parle de Dieudonné, on ne parle pas d'autre chose. Je ne suis pas sûre qu'il faille passer sa vie, en quelque sorte, à gloser sur le cas Dieudonné, parce que c'est une figure de la diversion qui permet justement de détourner le regard d'un certain nombre d'enjeux qui sont autrement plus importants que de savoir si Dieudonné est vraiment antisémite ou pas, s'il a gâché sa vie, s'il est très proche de Le Pen ou pas. Enfin bref, voilà, faut-il perdre autant de temps là-dessus, surtout si on admet effectivement qu'il est lui-même dans une sorte de... Il est l'objet d'une mimétique qu'il reproduit. Juste parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Nassira, je pense que ça répond en partie à quoi il sert aussi à cette question-là. Simplement, je pense aussi que, c'est une discussion qu'on a eue aussi avec Marika l'autre fois. Il me semble aussi que Dieudonné, en l'occurrence, à quoi il sert ? Il sert à remasculiniser le pouvoir blanc. Je pense que la querelle Valls-Dieudonné qu'il y a eu il y a 2 ans et cette posture très guerrière qu'a Valls quand il parle publiquement de Dieudonné, il va réussir, enfin c'est pas du Sarkozy mais c'est quand même comme s'il allait passer le Karcher un peu partout et surtout dans les théâtres de Dieudonné, il y a quelque chose où c'est une façon, ça peut être... C'est juste une figure qui sert aussi d'alibi parfois pour remasculiniser le pouvoir, remettre une logique un peu guerrière, on va dire, du côté d'un certain nombre de dirigeants et d'asseoir son autorité. Donc il y a quelque chose comme ça.
Merci. Donc je propose de passer la parole au public. Ce qu'on va faire, on a un quart d'heure pour échanger. Donc on va prendre une première série de questions. Vous pouvez les adresser directement à une des intervenantes ou à l'ensemble du panel si vous le préférez. Et puis essayez d'être concis afin de permettre au maximum de personnes de s'exprimer. Merci. Qui veut poser une question pour commencer ? Une question. Alors, une toute petite question, très très brève. Quelle était la logique derrière la composition du plateau ? Que des meufs et pas que des blancs ? Justement, c'était ça. C'était ça, je sais pas. Ça compense les plateaux où il n'y a que des hommes et qui sont quand même... La question elle porte sur quoi exactement ? Est-ce quelque chose qui vous a perturbé dans la composition du plateau ? Non, mais je trouve que c'est un tout petit peu connivant. On vous dit à peu près la même chose. Il n'y a pas de diversité. Enfin, voilà, c'était juste pourquoi. Je demande... Diversité d'opinion ou de... Tout à fait. Qu'est-ce que vous voudriez entendre ? Dites-nous ce que nous n'avons pas dit. Ah non, mais moi mais, je veux dire, mon opinion compte très très peu. C'est pas l'important. Non, pas du tout. Elle a autant de valeur que la nôtre. Non, mais moi, j'étais juste curieux de savoir quelle était la logique derrière la composition du plateau. Et j'aimerais que l'organisatrice m'explique un tout petit peu quelles étaient ses motivations. C'est très très gratuit comme question. Ça sonne pas gratuit du tout. Bon, après il y a différents. Je pense qu'il faut voir cette table ronde à l'échelle de l'ensemble de la conférence que j'ai participé à organiser avec Jérémy Desjardins. Je pense que dans l'ensemble de la conférence, effectivement, il y a différents aussi moments. La diversité, elle se retrouve, il me semble, sur plein de tables rondes. Il me semble une grande attention qui était portée au fait justement qu'on parle par exemple de l'humour plutôt avec un prisme question de liberté d'expression, un prisme plus autour de la question de la caricature. Et il y avait aussi une logique où on souhaitait aussi laisser la parole à des humoristes et des universitaires qui puissent aussi parler de l'humour avec une approche qui s'intéresse aux questions de genre, aux questions de sexualité, aux questions de minorité. Et donc, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Moi, je trouve votre question intéressante et je me dis, ça sera intéressant de voir au fil, là c'est l'ethnographe qui parle, de voir au fil des séances si quelqu'un pose la même question. Ouais. C'est-à-dire si à chaque fois qu'il y a une table ronde, quelqu'un prend la parole pour dire, pouvez-vous nous dire quelle est l'intention sous-jacente à la composition de la table ronde que vous proposez ? Et si à chaque fois il y a, non pas gratuité, mais quelque chose qui vous met la puce à l'oreille et qui fait que vous posez cette question. Ça, ce serait intéressant. Si effectivement, dans chacune des tables rondes, la question est posée, là, on pourra admettre effectivement qu'il y a une manière d'interroger l'ensemble du colloque. Hein, après tout, ça fait partie de la liberté d'expression. Ouais, puis si je peux me permettre, j'ai quand même le sentiment que notre façon d'envisager les tables rondes est aussi influencée par la télévision et qu'on a beaucoup l'habitude de voir des gens en permanente confrontation. Donc une table ronde, ce n'est pas forcément un débat, c'est un échange de points de vue. Donc il y a des points de vue qui sont situés, il y a plusieurs générations qui sont représentées. Une personne qui est humoriste, une qui est sociologue, une qui est anthropologue, avec des origines diverses. Donc après, il se trouve qu'effectivement, il y a des points de vue convergents, mais on n'est pas toujours dans un clash. Voilà, on a une culture du clash actuellement, qui n'est pas forcément celle qui sous-tendait l'organisation de ce colloque, qui est un colloque et pas un clash. Alors, est-ce que... est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Bon, c'est une petite question aussi, une petite précision. Est-ce que quelqu'un peut me parler un peu de la situation du marché exactement ? Qui consomme l'humeur ici en France ? Qui va au théâtre ? Voilà, ce genre de questions. Qui regarde la télé pour voir de comédies ? Voilà, c'est pour ça. Merci. Alors, on va prendre plusieurs questions. J'ai vu qu'il y en avait une ici. On va prendre trois ou quatre, comme ça, on va essayer de rester dans les temps. J'avais une question par rapport à l'utilisation des stéréotypes dans l'humour. Par exemple, Océane Rosemary disait que dans son spectacle avec les BBB, justement,
elle stéréotype une catégorie de personnes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de stéréotyper. Et je me posais la question, quelle est finalement la limite de l'utilisation des stéréotypes ? Est-ce que justement quand on choisit, même si c'est pour faire réagir, de stéréotyper une autre catégorie de population, finalement on ne légitime pas aussi le stéréotype qui peut être parfois justement mal pris ou... Voilà, c'était justement cette question. Pour rebondir sur la place des minorités dans les stéréotypes, dans les processus de création artistique, pas uniquement les stand-up, quelle est la place en fait de la minorité ? Est-ce qu'elle doit être induite pour lutter contre le stéréotype ? Après, si on prend l'œuvre, par exemple, de La vie d'Adèle, la question qu'il n'y avait pas de lesbienne sur le tournage et donc que ça devenait... C'était certes une œuvre de fiction, mais ça renforçait les stéréotypes. Enfin, je voulais juste savoir quel était le point de vue sur quelle devrait être cette implication et s'il devrait en avoir une. Là, je peux juste répondre à cette... Alors, on va prendre une dernière question, vous répondrez, puis après on reprendra une série de questions. Donc, la personne qui a le micro peut poser la question et on reprendra une série de questions. Oui, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si, après tout ce qui s'est passé en France... Donc, au jour d'aujourd'hui, en France, pays des droits de l'homme, est-ce qu'il y a des sujets tabous dont on ne doit pas rire ? Alors, qui veut répondre en premier ? Vous pouvez répondre à toutes les questions dans l'ordre qui vous convient. Sur la dernière question, il y a un article dans Le Monde qui est paru hier, justement. On était plein d'humoristes à être interviewés exactement sur cette question. Donc vous pourrez le lire, puisqu'il y a plein de gens qui répondent. Et en gros, j'ai l'impression qu'on dit tous que, plus que jamais, on ne doit pas se censurer. Et on doit affirmer notre parole et on doit oser se moquer, si on a envie de se moquer, et ne pas céder en fait, à l'autocensure. Bon, moi, dans mon cas, de toute façon, tout ce qui se passe renforce ce que je disais déjà avant. Donc, je n'ai pas de raison de changer de discours. Après, la question de la responsabilité, pour certains, j'espère qu'elle se pose. Parce qu'en effet, de toujours, entre guillemets, tirer sur l'ambulance, pour moi, c'est vraiment problématique. Et j'espère qu'il y a des humoristes qui font un peu plus attention maintenant. Mais je n'ai pas l'impression qu'ils le fassent. J'ai l'impression que chacun y va de ça. On est, comme vous dites, le pays des droits de l'homme. On est libre, on doit pouvoir se moquer de tout. Donc, j'ai l'impression que les humoristes se sont encore plus, entre guillemets, radicalisés ou en tout cas affirmés, quelle que soit leur position. Et sur La vie d'Adèle, juste pour revenir là-dessus, je pense qu'il y a aussi un problème, et c'est la même chose que je disais quand je disais que quand je parlais d'acteur bankable. Moi-même, dans mon film, je ne pouvais pas prendre une actrice lesbienne pour jouer ma compagne, puisqu'il n'y a pas d'actrice lesbienne out bankable. Donc j'ai dû prendre une hétéro. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire parce que justement, si tu fais ton coming out, tu as, entre guillemets, peut-être moins de chances de tourner. Donc les quelques actrices lesbiennes en France, elles le disent quand même pas trop. Et elles se construisent comme elles peuvent. Et il y en a une ou deux, quoi. Mais en vrai, il n'y en a pas 36. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est la même chose que je disais sur les Noirs ou les Arabes. C'est, voilà. Qui veut répondre à la série de questions qui vient d'être posée ? Nassira Ghanif sous la masse. Oui, en fait, je m'interrogeais juste sur La vie d'Adèle, parce que c'est loin d'être un film humoristique ou comique. Enfin, Par contre, ce qui me semble intéressant, et là, ça m'a rappelé un autre film qui va bientôt sortir, mais c'est pas du tout des films drôles, d'ailleurs, c'est très intéressant. Vous avez Le Clown Chocolat qui sort bientôt, qui est réalisé par Roche Dizem, et qui est dans lequel joue Omar Sy, qui joue un rôle de comique, mais dont on sait, effectivement, quand on connaît la vie du Clown Chocolat, c'est une histoire relativement tragique. Et puis, vous avez le film avant La vie d'Adèle, qui avait été réalisé par Kechiche, qui est La Vénus Noire, où, en fait, dans les deux cas, on s'aperçoit que les Arabes s'intéressent aux Noirs. Et ils s'intéressent aux Noirs pour, dans les deux cas, soulever un épisode particulièrement, alors à la fois oublié, hein, qui est complètement disparu de la mémoire, mais qu'ils réactivent, et qui sont des épisodes qui sont tous les deux inscrits dans une histoire coloniale. Alors, ça, c'est intéressant, parce que c'est peut-être que c'est ça, en fait, la voie de sortie de l'assignation identitaire liée au fait qu'il faut être dans l'autodérision et faire rire. C'est qu'en fait, ça se fait sur un ton qui est d'une extrême gravité, du coup. Hein. Et dans les deux cas, d'ailleurs, ce qui est intéressant, moi, je n'ai pas vu le film de Roche Dizem,
Mais par contre, ce qui m'avait semblé très intéressant, c'est pour ça que je parlais du rire comme résistance. Il y a un moment donné aussi où on franchit le pas de ne plus vouloir faire rire. C'est-à-dire d'entrer dans un espace qui est celui de la gravité. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que ça serait intéressant de savoir qu'est-ce que Omar Sy a à dire sur le fait de jouer Chocolat, même si Chocolat est un clown? Parce que, effectivement, c'est, semble-t-il, quelque chose qui le fait sortir des stéréotypes auxquels il est assigné. Mais il ne me semble pas que la question de savoir si, je reviens à ce que vous disiez, hein, s'il fallait qu'elle soit lesbienne pour jouer, ça a été un grand débat. Hein, les scènes d'amour n'étaient pas vraisemblables, Kechiche n'a rien compris à la sexualité des lesbiennes. Enfin bon, on pourrait. Il y a plein de films d'ailleurs qui pourraient essuyer le même genre de critiques. Mais la question centrale, c'est effectivement en quoi est-ce que des personnes qui sont racisées ou qui sont assignées à une identité subalterne peuvent s'emparer de cela pour en faire une forme de prise de conscience personnelle et qui ensuite est proposée à un public. En fait, la question du rire, c'est une question politique d'une certaine manière. Et on ne peut pas seulement la poser dans les termes que Océane Rosemary évoquait, c'est-à-dire il va falloir s'employer à rire de tout. Parce que si on ne peut plus rire de tout, c'est qu'on est politiquement en fait entravé dans notre liberté d'expression. Cette discussion-là, elle reste ouverte dans une large mesure. Je ne sais pas s'il faut décider dès maintenant qu'on peut rire de tout, tout le temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'humoristes qui disent qu'à l'époque de Desproges, c'était mieux. Ça, c'est la grande référence, hein, parce qu'on nous explique que Desproges riait de tout et qu'il s'était autorisé de cela. Mais peut-être qu'il avait aussi une forme d'objectivation de sa propre position et une forme de conscience politique de ce qu'il disait qui était très aiguë et qui l'autorisait finalement, qui le mettait à autorité, qui lui donnait autorité à faire ce type d'humour. Est-ce que c'est tout le temps le cas aujourd'hui? La question reste ouverte. Enfin, à l'époque de Desproges, il y avait aussi Michel Leb, donc je ne sais pas si, si on a tant reculé que ça. Nelly Kemner, il y a eu une des questions à laquelle il y a une des questions qui avait été posée sur le renforcement éventuel des stéréotypes par les humoristes. Est-ce que... Oui, bah, c'est toujours un processus très, très ambivalent de jouer avec les stéréotypes. Hein. Jouer avec les stéréotypes, ça veut dire potentiellement l'activer. Et moi, il me semble, enfin, j'ai toujours un peu aussi un regard un peu critique sur le terme même de stéréotype. Les stéréotypes, on a souvent tendance à penser les stéréotypes comme quelque chose d'assez figé, comme si ça existait dans l'absolu, à l'extérieur de nous, et que de temps en temps on en mobilisait, et puis de temps en temps on n'en mobilisait pas. C'est plus compliqué que ça. Les humoristes, comme d'autres types de représentations filmiques, télévisuelles, n'utilisent pas juste quelque chose qui existerait à l'extérieur, mais participent à produire les stéréotypes. C'est-à-dire, les stéréotypes, pour moi, c'est quand on parle de stéréotypes, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Si on parle d'un stéréotype, la question c'est de quel stéréotype on parle et comment ce stéréotype-là s'est actualisé ou s'actualise à un moment donné. Donc toute la question justement de rire et stéréotype ou humour et stéréotype, c'est de savoir comment des humoristes vont s'en référer effectivement à des imaginaires. Là on est sur cette idée qu'il y a des imaginaires sociaux qui existent, donc il y a quand même des choses qui circulent, des significations sociales qui sont là autour de nous et qui sont effectivement qui nous échappent mais dans lesquels on est dedans et qui sont aussi en dehors de nous, et en même temps c'est cette idée que en produisant de l'humour et en utilisant ou en s'en référant à certains imaginaires, on participe nécessairement à les produire. Donc les stéréotypes, ils sont là, ils sont dans ce qui est en train de se faire, ils sont en train d'être produits et en train d'être actualisés aussi parfois par l'humour. Et jouer des stéréotypes, jouer avec, ça implique nécessairement qu'on les réactive. Alors ça a quelque chose parfois de bénéfique, on les réactive pour pouvoir les désinguer, hein, pour le dire simplement, pour pouvoir en prendre le contre-pied, pour pouvoir les désigner, les signaler, mais néanmoins, même en faisant cela, on continue à redonner sens ou à redonner corps à ces stéréotypes-là.
Oui, et puis je pense que les stéréotypes, si tu veux les déconstruire, tu es obligé de les mettre en scène. C'est-à-dire qu'après, c'est toujours pareil, c'est d'où tu parles, comment tu les montres, ces stéréotypes. Mais je pense que c'est impossible de les déconstruire si on ne les évoque pas. Donc on est obligé de les convoquer, on est obligé de les faire exister. Après, c'est est-ce qu'on s'y vautre en étant soi-même un stéréotype ou est-ce qu'on les montre ? Je ne sais pas, par exemple, dans mon premier spectacle, je faisais un sketch sur les lesbiennes dans les films porno et je faisais des petits personnages comme ça, qui, voilà, avec l'image du mec qui arrive et je dis « Oh là, qu'est-ce qu'on s'ennuie sans toi ?» Bon. Et bon, c'est un stéréotype. Le mot lesbienne réfère souvent à la pornographie. Et donc, on voyait bien, moi, cette lesbienne qui regarde ce truc et qui est complètement atterrée. Donc, à la fois, il y a le stéréotype et à la fois, il y a le regard de la personne concernée qui hallucine un peu, quoi. Enfin, en tout cas, qui rit avec ça. Donc il y a ça que je veux dire, et aussi le fait de rire contre ou rire ensemble. Pour moi, c'est très important, c'est-à-dire le fait de rire ensemble d'un cliché et de pouvoir se moquer de soi, en effet, qui est vertueux, alors que rire des autres et désigner un bouc émissaire, voilà, que ce soit les Juifs, les Roms, peu importe, hein, parce qu'en effet, c'est vrai qu'on parle de Dieudonné, mais combien d'humoristes font des sketchs horribles sur les Roms ? Et ça ne dérange personne, ça fait rire, tous les gens sont ravis, et, y compris des humoristes dits de gauche, je sais pas, comme moi, quand j'ai vu le compte de Bouderbala, il fait 20 minutes sur les Roms, j'étais genre... Et le mec, il a 3 pages dans Libé, tu dis, ah bon, mais c'est... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et même lui, je ne sais pas comment il se positionne là-dessus. Et pourtant, c'est quelqu'un vraiment absolument charmant et qui veut bien faire. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, tu ne sais plus où il est. C'est-à-dire, est-ce qu'il se moque des Roms ou est-ce qu'il se moque des gens qui se moquent des Roms ? Et je pense qu'il faut quand même réussir à avoir un peu de clarté, quoi. C'est juste ça, d'où on parle. Et est-ce qu'on rit ensemble ou est-ce qu'on rit contre ? Et là, tout d'un coup, le fait de convoquer un stéréotype peut être quelque chose de vertueux. Alors, dernière série de questions avant la clôture de cette table ronde. Vous venez de répondre en partie à ce qui reste un problème pour moi. Dans la mesure où vous parlez de spectacle, évidemment, il y a possibilité de creuser, d'approfondir, de savoir de quoi on rit, comment, avec qui. Mais dans les formes brèves, qui sont celles de la caricature, qui sont dans la tradition française le trait d'esprit, et qui sont l'ironie. Bon, mettons le trait d'esprit au salon, l'ironie dans la rue et la vanne de potache, il n'y a pas... Il y a un rire ensemble qui est défini par le lieu, mais à partir du moment où ça circule, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, il y a bon, le problème qui est amplifié aujourd'hui par les systèmes Internet, Facebook et autres. Et enfin, le cas typique en ce moment, c'est un collègue à Avignon qui avait fait une vague anti-Valls, mais qui était très claire, très limpide dans le circuit interne à la fac. Et puis, le président de l'université, de façon très mal intentionnée, a balancé les deux lignes tel que au procureur de la République, et donc procès en incrimination de, je sais pas quoi, excitation à la haine raciale, etc. Bon, ça, c'est une petite histoire qui est en train de prendre, je sais pas quoi, de commencer à faire du buzz, et le jugement sera le 27. Mais elle n'est que démonstrative de ce qui est le statut de l'ironie. Comment est-ce qu'on peut maîtriser, je pense que je garde le goût, en dehors du spectacle, de la forme brève et du droit de faire des vannes dans la rue. Et donc, qu'est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez répondu dans le cadre pédagogique du spectacle, enfin que pédagogique au sens noble, hein, mais où il y a un développement. Mais quand il n'y a pas de développement, qu'est-ce qui se passe ? Bah, c'était tout le problème des questions des caricatures de Charlie Hebdo. De toute façon, quand vous parlez de ça, je crois que c'est le meilleur exemple. C'est-à-dire que Charlie Hebdo, le débat de savoir est-ce qu'ils étaient islamophobes ou pas, est-ce qu'ils étaient racistes ou pas, bon, on peut faire ce débat pendant des heures de savoir intimement est-ce que Charb était raciste ou pas. En vrai, on s'en fout, parce que la seule question, c'était... quel est le dessin et qui il touche et à qui il s'adresse. Et il y avait un article, je ne sais plus qui l'avait écrit, mais que je trouvais très intéressant, qui disait qu'en fait, Charlie Hebdo s'adressait à des gens qui étaient éduqués, qui avaient fait des études, qui maniaient justement, comme disait Nassira au début, cette espèce de capacité à jouer des multiples degrés dont le blanc se gargarise aussi. Et donc, en fait, il fallait avoir finalement beaucoup de codes pour comprendre et pour rire avec Charlie Hebdo. Et pourtant, y a des dessins qui étaient en réalité extrêmement violents
pour qui n'est pas dans ces références-là. Donc, et c'est sûr que ça peut poser problème. Et il faut admettre ça, admettre qu'on ne peut pas parler d'universalité et de droit universel à l'humour alors qu'on parle d'un endroit très précis qui est d'hommes blancs, éduqués, avec une culture de la caricature, avec une connaissance de l'histoire du dessin de caricature et qui permet, ou pas d'ailleurs, de faire ces dessins-là. Et en effet, pour moi, là, le problème qui s'est posé, c'est que cette dimension-là extrêmement sociologique et toutes les références qu'il fallait avoir pour pouvoir rire de ces dessins n'ont pas été nommées. Et on a dit, on doit pouvoir rire de tout. Mais sans préciser d'où on parlait, quoi. Enfin, je ne sais pas si alors, on va juste finir, prendre les dernières questions et conclure parce qu'il nous reste 4 minutes. Okay, alors, on va essayer d'être concis dans les questions, s'il vous plaît. Oui, il y a un monsieur au fond qui a levé la main, effectivement, depuis très longtemps. Ah, bah pardon, j'avais, j'avais déjà le micro. Non, mais je ne sais pas si... Allez-y. Bah, en fait, c'était déjà, je voulais vous remercier pour vos perspectives, particulièrement, enfin, Océane, toujours bravo, mais particulièrement Nassira, parce que je pense que ça me donne des pistes aussi dans les questions de degré de publicité de la comédie ou de l'ironie aujourd'hui et de ces espaces sains et saufs en fait où on commence à douter, enfin dans un monde où pour ne pas faire alarmiste mais quand même où on peut remettre en cause les droits humains, on peut remettre en cause nos communautés, comment et où il y a une sorte de enfin voilà une pression que l'on ressent, qui nous inquiète par rapport à ça, de part et d'autre de l'Atlantique. Hein, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas limité à la France en ce moment. C'est comment l'humour, il peut venir comme des petites graines, ressemer ce rire ensemble, à un moment où ce qui est admis, c'est le rire contre. C'est vraiment une source de... Et autre chose, comment on peut rire de « ceci n'est pas une pipe ». C'est-à-dire que je pense à ce moment qu'on vit, où on nous dit que quelque chose est quelque chose, mais en fait on voit que c'est le contraire, mais on dit que c'est l'opposé. Et que ça pour moi, ça devrait être une source de comédie ou d'ironie énorme, parce que ça pourrait peut-être permettre d'inverser la vapeur. Voilà. Comment on inverse la vapeur par rapport à une certaine tonalité. Alors monsieur, oui, tout au fond en fait, ouais. Depuis le début. Ouais, essayez de faire bref, parce que là, on va devoir passer à la... Ouais. Effectivement. Il me semble qu'on a beaucoup envisagé le point de vue, en fait, en se situant par rapport à l'émetteur et par rapport aux humoristes, c'est-à-dire à des acteurs d'une logique économique et de la société du spectacle. Et je n'ai pas assisté au début, donc peut-être que ça a été plus abordé, mais qu'en est-il du point de vue du public? C'est-à-dire, quelle place y a-t-il pour des publics minoritaires? C'est-à-dire que je pense que le point de vue minoritaire a une influence, en effet, sur l'émetteur, d'où il parle, sa difficulté à accéder aux moyens de production, parce qu'encore une fois, on est dans des logiques économiques, mais aussi, quelle place y a-t-il, comme le disait quelqu'un qui posait une question tout à l'heure, pour les publics minoritaires, parce que qui consomme de l'humour et comment? Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir prendre d'autres questions, il va falloir répondre assez rapidement pour pouvoir permettre... de céder la place aux intervenants suivants. Donc, je vous propose de répondre et de conclure dans un seul mouvement. Océane Rosemary. Bah, c'est sûr que c'est ce que je racontais peut-être avant que vous arriviez. C'est que moi, quand j'écris la lesbienne invisible, c'est parce que je n'avais pas de représentation en fait en tant que lesbienne, de représentation positive, de représentation joyeuse, et c'est pour ça que je l'ai fait entre guillemets. Donc en effet, il y a les minorités. Pourquoi parlent d'elles-mêmes et de leur identité, que ce soit parce qu'elles sont racisées ou parce qu'elles sont minorées, quelle que soit la raison. Parce qu'en général, il y a rien et qu'on a du mal à rire. On a du mal à rire de quand on va un spectacle, par exemple en tant que femme, de blagues sexistes. Au bout d'un moment, enfin bon, il y a des femmes qui apparemment rigolent des blagues sexistes, mais bon, nous on commence un peu à en avoir marre, ou des blagues homophobes, et c'est vrai que c'est compliqué d'aller à un spectacle sans avoir droit à un moment à une vanne homophobe. Donc en effet, les minorités à un moment prennent la parole, et je pense qu'en fait c'est comment justement le public
devient l'acteur, en fait. Et ou comment l'acteur peut naître. L'acteur va naître d'une frustration, d'une sous-représentation. Et évidemment, bon, après, c'est mieux s'il a des talents d'humoriste et qu'il arrive à faire des bonnes blagues. Et là, il va prendre la parole. C'est-à-dire que je dirais presque que c'est un mouvement, c'est un même mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les créateurs et le public, mais il y a le public qui va, ou qui va porter, comme ça, comme moi, j'ai été portée par la minorité quand j'ai commencé à faire mon spectacle. J'avais des salles pleines, alors que des gens qui n'avaient jamais rien fait, comme moi, qui démarraient, avaient des salles vides. Et donc, ma communauté m'a portée. Donc, il y a quelque chose, justement, qui s'active ensemble entre l'acteur et le public, je crois, dans les cas des minorités. Nelly Kemner. C'est compliqué de répondre à la question des publics plus précisément parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de données, même chiffrées. Les études sur, quand il y a des travaux qui sont faits sur les publics même de théâtre, la question du café-théâtre, par exemple, est assez peu posée. En tant que simple spectatrice, à un moment donné très régulière des cafés-théâtres parisiens, il est très clair, par exemple, sur la question sur la place des minorités dans ces publics, par exemple, et des minorités non blanches, il me semble qu'il y a principalement des publics blancs, ce qui est très déstabilisant d'ailleurs. Des fois, quand on va voir un spectacle de stand-up porté par quelqu'un, un humoriste arabe ou noir, d'avoir des publics principalement blancs. Il y a des exceptions. Au Théâtre du Temple, par exemple, moi j'ai vu des spectacles de Patson, qui est un humoriste qui met vraiment en scène une identité noire, là pour le coup, de manière très hyperbolique. Et il y avait une salle remplie de personnes non blanches. Pour le coup, j'étais la seule blanche. Donc je me suis dit, et je pense que ça renvoie à ce que dit Océane à l'instant, c'est ce qui est intéressant, c'est quand il y a cette rencontre effectivement entre un discours humoristique et un public, et véritablement tous ces jeux sur les stéréotypes, tous ces... Parfois, ces discours qui vont un peu à l'encontre des discours dominants, là où ils sont intéressants, et c'est quand ils donnent à voir justement aussi des visions du monde et des groupes sociaux qui n'étaient pas jusque-là présents, c'est qu'ils deviennent aussi des ressources pour les publics et des publics subalternes qui se constituent à ce moment-là, qui se constituent aussi au moment du spectacle. Donc, ils vont apparaître dans les cafés-théâtres au moment où l'humoriste apparaît. Nassira Ghani, sous la masse. Oui, en un mot, en fait, moi j'aurais tendance à peut-être plaider plus en faveur de ce que j'évoquais à un moment donné, c'est-à-dire la sortie du public, arrêter de céder à cette injonction du public, aux instances de validation, au fait que telle ou telle vanne va être tweetée ou retweetée ou mise sur un mur Facebook. Enfin, vous connaissez mieux que moi tout ça, parce que ce n'est pas ma culture, je ne sais pas très bien utiliser ces outils. Et donc, revenir en quelque sorte à sortir du public pour aller vers le commun, c'est-à-dire vers l'ensemble, vers l'entre-soi, y compris d'ailleurs sur un mode qui est celui, encore une fois, d'échapper à l'injonction du rire. Échapper à l'obligation du rire pour soi-même devenir un auteur de son propre humour, de sa propre ironie. C'est-à-dire que pendant qu'on consomme l'ironie et l'humour des autres et le rire des autres, ou qu'on répond simplement par son rire, finalement c'est une expression de sa propre passivité face à ça. Alors que les ressources du rire et de l'humour, elles sont chez tout individu et dans tous les groupes. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire sécession d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire d'être dans une logique de la défection de certaines scènes, pour voir en quoi est-ce que les autres scènes alternatives, hein, ces subalternatives humoristiques, elles peuvent exister en dehors des systèmes et en dehors de toute une série de circuits qui les contiennent et qui les contingentent d'une certaine manière. Merci beaucoup. Et pour compléter, je crois qu'il y a quand même une partie du public des humoristes qui est de plus en plus vaste, qu'on ne voit pas et qui est difficile à quantifier, c'est celle d'Internet et des youtubeurs qui quand même totalisent des millions de vues et qui, dont certains poursuivent leur production sur scène comme Norman ou Kevin Razi. Donc je crois que là, il y a quand même un public qui est renouvelé par la génération et sans doute beaucoup plus divers que le public des théâtres et qui n'est pas nécessairement un public qui a des habitudes justement culturelles du public traditionnel, des spectacles qui se produisent sur scène. Donc je vous remercie de votre attention. Nelly Kemner est auteure d'un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'humour, qui est disponible aux éditions Armand Collin. Océane Rosemary est sur scène actuellement à la Gaîté Montparnasse. Et Nassira Ghani avait écrit un livre qui reprend un petit peu la question du stéréotype, puisqu'il s'appelait Les féminismes et le garçon arabe, qu'elle avait écrit avec Eric Massé, mais qui est toujours d'actualité. Donc merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous.